cette terre vaut du bling. Du bling pour le king. Plus cher qu'un vase bling. Bling, 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 bling. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et j'accompagne mon fidèle griffon Griffoutre à l'assaut des forces ennemies à l'aide de mes puissants chevaliers et de mon armée invincible. Hors de mon chemin, caribou. C'est bien. Tandis que nous traversons la forêt des bois morts en plein hiver, nous approchons de la porte des âmes à laquelle nous allons faire face âprement. Ah putain, il y en avait une autre ? Ah ! Ah ! Bon ben les mecs, ça va se faire en deux temps, hein. Paniquez pas. Paniquez pas. Ça va se faire en deux temps. C'était un twist. C'est un twist scénaristique, mais vous en faites pas, braves gens. Ce n'est qu'un... Une perte de temps légère. Oh putain, ce dinde qui se planque derrière le portail magique. Le dinde qui est lucide. Donc là, j'avoue que cette petite expédition punitive, elle fait du bien. Aucun de mes paladins n'a besoin du financement. Et ça, c'est beau. Excellent, victoire. Rentrons donc à la base. Braves guerriers, puissants mercenaires. Afin que notre ennemi connaisse notre courroux dès notre prochaine croisade. C'est fou quand même ce que le griffon il consomme en mulot, hein. C'est violent. Pendant un moment, finger in the nose, les doigts dans le pif, ça devrait bien se passer. Trois chevaliers et 12 archers. On devrait avoir une force offensive suffisante pour mener à bas la dictature du portail démoniaque. Par contre, c'est vrai que ça a coûté encore 12$ et j'ai pas ce fric. Quoique, normalement, ils ont buté tous les lapins à droite et tous les cerfs. Donc logiquement, nous avons un financement qui tient la route. Je pourrais payer 2$ pour avoir la vision du futur, mais on ne va pas le faire. Sont les monstres. La lune de sang se lève. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On y croit. On attend fièrement, patiemment, les efforts héroïques de nos troupes. Ah putain, c'est biblique. Je veux dire, il y a un griffon, quoi. Même dans la Bible, c'est pas aussi cool. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi t'as tiré, Polo? Bah, je sais pas, j'ai paniqué, ok? Faites feu, mes guerriers! Repoussez-les! Annihilez les faibles! C'est les minables! Bon, bah voilà, c'était facile, mon roi. On fait quoi maintenant? Tu patientes et tu récupères le bling. Bon, bah voilà. Problème, par contre, c'est que financièrement parlant, bah, c'est l'hiver! C'est même grave l'hiver, braves gens. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de donner à Paptimus. Parce que Paptimus, du coup, te paye des impôts. Oh, Paptimus, il rend l'argent! Paptimus qui paye les intérêts! Et ça, c'est beau. Sinon, c'est un peu la dèche. Voire beaucoup la dèche. Grosse dèche. Oula. Voilà. Grosse dèche en hiver. Bah alors, vous avez pas avancé? Putain, ils ont pas avancé au prochain poste? Est-ce qu'il faut... C'est parce que le mur était pas avancé en fait, technologiquement? Ou peut-être parce que tous mes builders sont morts? Ça peut aussi être une raison. Une excuse.
Dans ce cas-là, c'est un problème. Ah ouais. Ouais. Bon. C'est une difficulté passagère et temporaire à laquelle nous faisons face, braves gens. Rassurez-vous, la famine sera bientôt terminée. Suivez-moi. Et vous n'aurez plus jamais faim. Putain. Non, vous n'aurez pas mon bling. Les va-nu-pieds, ça apprendra, tiens. Alors. Financièrement, c'est pas très safe, mais au moins, ils y vont. Voilà. Et comme ils vont y aller, ça va débloquer des fonds. Ça devrait débloquer la situation. C'est bien ça. Malheureusement, comme les lanciers se contentent juste de pêcher de manière passive, le bling qu'ils rapportent n'est pas très... Malheureusement, pas très engageant, mais... Je me demande si une seule grosse muraille, il y en a une deuxième, ils peuvent se rapatrier derrière. Ils peuvent se rapatrier derrière la deuxième grosse muraille. Hein. C'est vrai que c'est techniquement plus safe que ça n'y paraît, je l'accorde. Bon. Ce qu'on va faire, c'est attendre cette attaque, qui ne devrait pas tarder, bien ailleurs. Généralement, ils sont assez ponctuels, les Strum. De toute façon, dès que Régis il tire à la catapulte, c'est que les Strum sont là. Généralement, Régis, il est au taquet, tu vois. Putain, Régis! Quoi? J'en ai vu un bouger! Mais attends qu'ils soient tous là! Oh, joli ça, Régis! Allez, défend! Voilà! Très bien! Et ils ont pas compris où était leur mère. Très bien, somme toute, ça s'est plutôt bien passé. J'ai deux blings, trois blings, je pourrais claquer deux blings. Afin de passer le portail du mal. Bien. Normalement, ce mur là-bas à droite, il devrait être terminé depuis le temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi qu'il est fini. Bon, mange un mulot. Ah. Ah. Enfin. Eh ben putain. Ça y est. Là le bling devrait revenir. Les petits animaux n'ont nulle part où aller. Genre littéralement en fait. Ils ont nulle part où aller en fait. Question, il n'y a pas de lapins qui apparaissent dans les murs, c'est ça, hein? Quand on est dans les murs d'enceinte, ça passe pas, en fait, dans les murs d'enceinte. Il faut de la verdure. Bon. On ne sait pas. C'est pas important, dans tous les cas, l'influx d'argent devrait être entièrement suffisant. 1. Pour mener à bien une croisade punitive. Et de 2. Financer le bateau afin de fuir l'île et d'accéder à la prochaine. D'ailleurs, je me demande si plutôt que de mener une croisade punitive vers la gauche, on n'aurait pas mieux fait de financer le bateau et d'enfin quitter cet endroit de ses morts. Ça me paraîtrait presque plus safe, si tu veux. Je me surprends de voir qu'il y a aussi peu d'archers. Je pense que c'est mes tourelles et les chevaliers qui les ont absorbés. C'est pour ça qu'il n'y a plus de chasseurs.
Bon. Soyons raisonnables, soyons raisonnés. Voilà. On va cavaler avec notre ami le Griffon. Ah, on me dit le phare. Comment ça, le phare? Le phare est primordial. Mais le phare, avant le bateau, fais le phare. Bon. Eh ben écoute, récupérons d'abord le bling. Après tout, nous ne sommes pas pressés. L'hiver dure, la situation cependant est maîtrisée. Le danger est quasi nul. Voilà. Bon, et j'ai même financé des tas de troupes supplémentaires afin d'être sûr qu'aucune créature n'y survive. De toute façon, les daims et les lapins devraient nous apporter un financement suffisant. On l'espère. Par contre, le chômage perdure, hein. Et ça, c'est complexe. Tu te rends compte que le métier d'agriculteur, c'est 70% du temps. Là, là, les dégâts. Ah, ils l'ont payé tellement cher, celle-là. Je pourrais financer et aller tout à droite, mais, braves gens, on va encore faire l'aller-retour, et je m'en excuse. Parce que là, tel qu'on est, même si tout se passe bien, vous voyez qu'on les repousse quand même large. Hein, on les repousse quand même très large. XV. Xxvi, très bien, ça c'est une bonne journée ça, Xxvi, ça me motive, Xxvi, ça me parle, Xxvi, excellent, Xxvi. Faut laisser de la forêt pour laisser des cerfs apparaître, mais pas de lapins dans le fort, très bien. Prochaine fois, nous laisserons donc un petit monticule de forêt. Qui, normalement, devrait se subsider. Puisque, de toute façon... Voilà. Voilà, le financement. Il est là, le financement, il est beau. Parfait, parfait, ça. Regardez-les. Menez à bien cette campagne d'extermination. Je suis tellement content qu'on l'ait pas raté, si tu veux, celle-là. C'est beau. C'est beau, on dirait Robotnik qui crée un parc d'attractions avec des robots. Sauf dans les robots, c'est des enfants, si tu veux. Mon gars, t'en fous. Oh là 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 là. Par contre, ces pièces sont littéralement mes dernières ressources. Donc pas de stress. Ok, donc ce phare coûte cher. Bon. Finançons-le. Bon. Eh ben écoute, ok. Ok. J'ignore pertinemment à quoi il sert. Cependant, je m'en inquiète pas. Non. Voilà, caribou. Parle à caribou. Caribou ! Caribou ! Caribou, il faut mourir pour la gloire. Mourir pour la couronne. Caribou, j'ai besoin de toi. Oh oui.
Caribou. S'il te plaît, Caribou. 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 Non, Caribou, demi-tour. Bon. Un phare, ça sert à éviter les récifs. Du coup, tu sauves ton bateau. Oui, mais uniquement quand je viens sur cette île, pas quand j'en pars. Du coup, c'est intéressant si je reviens. Mais comme j'ai pas l'intention de revenir... Ah, oh, je suis débile. Pourquoi je vous ai écouté? Ah. Ah. Ah, vous êtes des chiennasses. Tous autant que vous êtes, je vous aime. Bon. Il te reste deux trucs à Chaos Emerald à activer. Bon, tu reviendras pour péper le gigolo. C'est vrai. Nous reviendrons pour péper le gigolo. Le problème, c'est que l'hiver ne nous permet pas. Ah, il faut que je finance. Oh non, on n'aura jamais les thunes. Bon, on est encore là pour 3 épisodes, hein, pas de panique. Non, je vais au moins terminer cet épisode quand je vais quitter cette île à la con. Ça peut pas être aussi dur. Quel hiver de merde. Baptimus, mes thunes. Très bien. Bon. 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 Ça a ramené des thunes un peu? Non? La misère du sbi, bien sûr. La misère du sbi. Y'a pas un lapin, y'a pas un cerf, y'a rien. J'ai déforesté beaucoup trop fort. Les méfaits de la civilisation. Bon, sinon j'ai gâché des... Alors les mecs ils sont là, lol, fait une ellipse. Ah non. Vous allez assumer. Bon après... Après bon. Les caisses de l'État sont vides, mais tout va bien. Les caisses de l'État sont vides, mais voilà. On pourrait investir dans des lanciers. Les lanciers pourraient augmenter le rendement. Fais une expédition punitive, lol. Mais j'ai pas l'argent. On va les suivre. Alors, brave gaillard, ça patrouille? Vous êtes là pour taxer ce qu'on pêche, non? Exactement, maintenant à bout le pognon. Ouais, ok. Le blé. Ça mange des mulots, hein. C'est dommage que les mulots soient pas mangeables. Parce que sans deck, il y aurait une rentabilité qui se ferait, hein. Je tiens à le dire. Bon, fort heureusement, on a amplement de quoi résister aux attaques. Ah, ça y est, Jean-Régis qui est en stress. Voilà. Petite faciale de flèche. Allez, explorons la gauche. J'ai 2 bling pour un taxi, si jamais. Techniquement, ça rapportera plus de bling que ce que ça n'en coûtera. Putain, les bruits. Les vrais bruits, hein.
RIP Pépé le gigolo, mort avant son temps. Hein. Là, il y a des clodos. Là, il y a un portail. Et là... Ouais, voilà, c'est le portail trou noir du mal. Très bien. Bon. Cet épisode ne se terminera pas tant qu'on n'aura pas quitté l'île. Donc attendez-vous à plus de 20 minutes. Hein. Ça va... C'est comfy, hein. C'est décor, c'est fantastique. C'est Kingdom. Cependant... J'avoue que quand on s'est mis dans une situation comme ça... Bon, le mieux, c'est quand même de rentrer dans sa baraque, dans son château. De faire une petite orgie parce que ça coûte pas de pognon de se faire sucer la bite. Non mais... Pour ça, Bob, bah pas quand t'es roi. Ah, oui, non, par contre, si t'es un grouilleux avec une lance, c'est plus tendu tout de suite. Généralement, faut juste demander poliment, ça se passe bien. Donc, quand t'es roi, j'entends. Oh putain, Skyboo qui m'en fout, qui parle de la distraction. Skyboo. Oui. Oui. On essaie de mettre les caribous en PLS, pardon. Oh oui! Des finances! Bon. C'est pas si mal, hein? C'est pas si mal. C'est juste compliqué. Compliqué. Hein. Il y a toujours du poisson qui se balade, ce qui est bien, mais... On est sur du Frostpunk médiéval, hein, j'annonce. Paptimus, les thunes. Paptimus. Paptimus qui trahit. Paptimus qui rejoint les gilets jaunes. Honteux. Comment voulez-vous que je sois jupitérien si j'ai littéralement jupitérien à mettre sous la dent? C'est inacceptable. Ça va les mecs? Ouais ouais. Merci monsieur, c'est un super HLM hein. De rien Roger. Putain. Oula, par contre ça commence à ténébrer assez grave là. J'espère qu'il se prépare pas une petite lune de sang. Non c'est bon, ça a l'air safe. Un bling. Ah, ça bling un peu, très bien. Ouf. Petit financement blingos. Ok, très bien. Bon, avec ce financement, avec de la chance, on devrait avoir de quoi financer le bateau. Mais je crois que pour partir, mettre le bateau à l'eau, c'est 2. Et financer l'expédition, c'est 10. Donc c'est la pauvreté. Parce qu'en plus, moi, je préfère partir avec les bourses bien pleines, si tu veux. C'est quand même plus facile, tu vois. Si seulement j'avais pas investi autant d'argent dans un cheval aussi inutile. Putain. Va à l'attaque en attendant l'été, ça vous rapporterait pas de thunes. Assez d'argent. Bon. T'as, eux ils sont toujours à la Daesh hein. J'aurais jamais dû investir dans un phare qui sert de décoration, j'avoue. Deux Paptimus, trois quand même. Paptimus qui offre une certaine forme d'honnêteté. Ça va bosser.
est-ce qu'ils ont vraiment avancé sur le bateau depuis la dernière fois? Parce que si jamais ils se mettent aussi en priorité le fait qu'il faut recharger les catapultes plutôt que d'aller au bateau, ça veut dire que ces enculés de bons à rien... Allez, ramène une thune. Ramène une thune, t'es un lancier. Oh putain. Oh putain. La tristesse. Bon. Bob, tant que t'as pas toutes les planches, il bosse pas. Bon. On va pas s'énerver. On va pas s'énerver. On va pas s'énerver sur le degré de tristesse de ce Paptimus qui trahit mais qui est toujours fidèle. Eux qui font des allers-retours à une vitesse folle. Oui, oui. Il va falloir financer un builder. Sinon on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Bon. Sur le chat, quelqu'un me dit le marxisme était la solution. Et merde. Bon. Bon, 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 bon. C'est la Russie sous Staline, hein, j'avoue. Et Builder arrive à la bourre, bien sûr. Parce que non seulement ça bosse pas sur le bateau, mais en plus ça se permet d'arriver pas à l'heure. Hein. Ah bah bravo. Excellent travail de la part des Builders. Je suis vraiment fier de vous, les gars. Incroyable. Incroyable. Une efficacité qu'il ne faut plus prouver. Je pense que là, on est... Là, on est impeccable. C'est tout ce que j'ai à dire. On est impeccable. Voilà. Putain. Quel cauchemar. Et là, il cavale à droite en mode vite, vite, faut construire. Sauf qu'il n'y a plus rien à construire parce qu'il n'y a plus de thunes. L'argent de l'État a disparu. Paptimus ne fournit plus les finances. Ça ne pêche même plus les poissons. Il n'y a plus de poissons à pêcher. On suit le lancier dans la dèche la plus complète. Il a chopé un poisson, lui. Hein. Et il se met à neiger. Putain que... Bon, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Bien heureusement, l'hiver ne part jamais. Ce serait dommage. Vous savez quoi? On en est à un tel niveau de misère... Je vais financer la déforestation d'un village. Quand t'as tellement plus d'argent que tu finances ou que tu ordonnes la destruction d'un village en détruisant un barrage pour toucher l'argent de l'assurance. Les degrés de PLS d'un homme. Un homme acculé à une pauvreté infinie. Bon. Eh bien écoutez, je pense qu'on va quand même terminer l'épisode là-dessus. J'ai dit qu'on le terminerait quand je partirai de l'île, mais vu le temps que ça va prendre, je préfère faire l'ellipse. Je ne peux pas vous forcer à accepter les conséquences de l'argent. Les espoirs reprennent. L'espoir renaît.
Virez-moi ce camp de gitan. Rasez-moi le camp de gitan. Volez le cuivre. Volez le cuivre. Volez leurs chaises en paille. Vendez les BMW. Niquez leurs fêtes foraines. Rasez-moi ces gitans. Volez leurs roulottes. Pillez tout. Pillez tout. La pièce. Même pas ça me donne deux. Si, si, non, non, j'ai même pas recoupé mes gars. Les CRS qui ont rasé le village du gitan ou volé le cuivre même, tellement ils avaient la dalle. Ils l'ont mis avec leurs épaulettes de leur armure et leur ceinture. Ils ont mis des orties dans la soupe pour faire un peu de goût, ils ont touillé. Et ils se nourrissent de ça. Ah putain. Oh non. Oh. Ah putain. Oh la vache quoi. Ah putain. Des rares images de Macron qui parcourt la France après sa politique d'affaiblissement du pays. Ah c'est beau. Oh la vache quoi. Oh la vache. Et si seulement je pouvais virer des fonctionnaires. Regardez-moi ces planqués là. Regardez-moi ce planqué dans sa tour. Nourri, logé, chauffé. Le mec chasse même pas. Putain. Ça y est. Ça y est. Les revendications. Le pétage de câbles. Les limites de la droite. Tandis que du côté de la gauche, est-ce que ça fournit un peu de... Un peu de thune, non. Oh oui, oui. Oh la pièce. Oh la pièce quoi. Oh, j'aurais jamais dû tout déforester. J'aurais jamais dû tuer tous les lapins. Je ne les ai pas écoutés. Je ne les ai pas écoutés. Ah putain. Plus le choix, hein. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On est obligé d'augmenter la déforestation. Nous n'avons plus rien à manger. Tuez les lapins des petites filles. Leurs animaux de compagnie, mais c'est illégal. Tuez les lapins. Non, non, lâchez-le. Pas Yuki. Mangez Yuki. Et mangez la fille aussi. Monsieur, vous allez trop loin. Si elle n'est pas avec nous, elle est contre. Le mec qui est aux abois absolus. Vous voulez savoir ce qui est beau avec la déforestation, c'est que j'ai pas gagné un centime. Putain. Putain, encore un camp de gitans là, je suis sûr ils ont de l'argent. Avec la musique qui me nargue, ça fait combien de jours qu'on est à la misère? Ces soldats d'une inefficacité, ces lanciers dans lesquels j'ai investi. Cette pièce dédaigneuse et misérable. Putain. Mais putain quoi. Où sont les Arméniens quand on a besoin d'un génocide pour financer pour financer nos dépenses? Paptimus! Paptimus! Paptimus m'abandonne. Paix aux Arméniens, je vous aime. Mais d'où Jésus? D'où Jésus? C'est moi qui cède, hein, psychologiquement. Oh, putain.
ces planches interminables. Il faut que Paptimus joue en bourse, hein, c'est plus possible. Hein. Ce regret que j'ai d'avoir construit cette tour là-bas dans les années 70. Pas de thunes. Bon, il va falloir commencer à vendre le patrimoine du royaume, là. Est-ce que je peux avoir un... Je sais pas, un... Un PNJ du Qatar, quelque chose, s'il vous plaît. Le titre de la vidéo, je crois que ce sera le bilan. Dépôt de bilan. Putain. Oh la vache, quoi. Il faut privatiser les archers. Il faut privatiser les portails. Il faut mettre des péages. Monsieur, ils sont déjà payants, mais dit que leur race. Ah putain. Ah non, mais là, l'URSSAF à tout prix, si tu veux. Là, c'est terminé, là. La CIPAV, le RSI. Ils ont tout pris. Et malgré cela, les travailleurs s'acharnent à bâtir nos espoirs et nos rêves. Avec quatre planches miséreuses de bois. Oh là 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 là. Paptimus me lâche dédaigneusement 3 pieds 7. Oh putain. En tout cas, la vie est belle ici. Hein. Les attaques nocturnes sur le fort de gauche sont finalement, somme toute, très contrôlables, parfaitement gérées et gérables. Pas la moindre pièce, pas le moindre lancier, pas le moindre fond. Putain, j'aurais jamais dû construire ce phare. J'aurais jamais dû gâcher cet argent dans la tour de droite. On va manger des mulots, ce serait dommage de se faire surprendre par des strums. Oh putain, ce caribou pourrait s'annoncer salvateur. Chaque caribou vaut mais une pépite d'or, quoi. Ce caribou. Voilà. Ce caribou pourrait être salvateur. Non, dégage le dos. Allez, caribou. Caribou, s'il te plaît. S'il te plaît. Caribou. Les monstres vont pas tarder à arriver. Caribou. Oui, caribou. Non. Non, oui, caribou. Seulement 2 pièces. Allez vous faire foutre. Et les monstres qui arrivent juste derrière. Le caribou avait la peau sur les os aussi. Mais oui, un caribou qui donne 2 pièces, c'est du jamais vu. Je suis même pas sûr que ce soit un vrai élément de gameplay. Paptimus, ne m'abandonne pas. Paptimus m'a abandonné, putain.
Oh là là. Putain. Cette misère. Cette misère et cet hiver qui n'en finit pas. Cet hiver qui n'en finit pas. L'hiver de l'angoisse. L'hiver qui fait craquer le Lennon psychologiquement. Putain. Plaptimus, qu'est-ce que nous avons fait des gitans qu'on a capturés? Selon vos ordres, monseigneur, nous avons jeté les mâles à la mer et les femmes. On les a gardés dans mes quartiers? Oui, monseigneur. Prostituez-les! On a besoin du bling! Mais voyons, monseigneur, plus personne n'a de quoi payer! Qu'il paye avec un rein, on le mangera! Le mec qui a plus aucune limite! Le gars qui est un connard qui a absolument plus aucune limite, quoi! Mais monsieur, certaines sont devenues l'amie de votre fille! Prostituez-la aussi! Elle doit prendre le sens du sacrifice au nom de la couronne! Mais chargée de pièces d'or quand même, hein. Faut pas déconner. C'est quand même la princesse, tu respectes. Les nonnes qui sombrent dans la folie, mais oui. Ah, du bling! Saute l'argent de la pêche. Nous allons chercher des caribous. Pas de caribou. C'est beau en même temps, hein. Je pense que c'est une grande leçon écologique. Hein. Je crois que là... Bon, le monde n'est pas en deux dimensions, mais vous avez compris. Hein. Comme quoi... Le Lennon vous apprend des choses aussi. Hein. Attendez, je finis ma souris. Merci. Planquez-vous. Les monstres arrivent. Bienvenue dans le gameplay de Fallout 76. Bienvenue dans Darksiders 3. Putain, il est essoufflé en plus. Ça pourrait être la fin d'un empire. Non, c'est bon. Il s'est repris. Dieu que c'est agréable en tout cas, ce griffon qui a une endurance quasi infinie. Qui peut repousser les ennemis et tout, c'est vraiment la meilleure monture. Le cerf aurait vraiment pu sortir de cette situation de merde. Mais, bon. Le griffon a tellement d'avantages défensifs. Il est tellement polyvalent, si vous voulez. Planter des tiges, planter du bois, planter des femmes, planter tout! Où sont mes fermiers? Dites-moi que mes fermiers sont morts. Dites-moi qu'ils sont repartis au boulot. Dites-moi qu'ils sont repartis au boulot, ces fils de pute. Sinon, je fais un malheur. Sinon, je fais une apoplexie. Bon. Les fermiers redonnent leurs outils en hiver? Quoi?
Bon. Il n'y a plus de fermiers, il n'y a que des gilets jaunes. J'avoue. Pas de panique. Lapin recommence à apparaître, malgré la reforestation sauvage. La terre reprend des couleurs. Mange un mulot. Ça, les mulots, ça mange pas, par contre. Enfin, ça ne manque pas. Les mulots, il y en a plein. Pas de problème pour les mulots, là. Aucun souci, hein, les mulots. Présent. On pourrait améliorer le bateau, mais on pourrait investir dans l'agriculture. Oh là là, ça pêche. Et ils vont nulle part. Bon. Je doute pas qu'un jour... Voilà, très bien, ils prendront la décision d'aller quelque part. Et ils rendront l'action rentable. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Bon. Fort heureusement, nous avons renversé la situation et nous avons tenu l'hiver. Nous avons su maintenir nos défenses. Les fermes sont replantées. L'argent coule à flot. Les lapins affluent. Les méchants aussi. Impeccable. Bon, cet homme a été transformé en clodo. Malheureusement, il sera abandonné par l'État. Il pense que l'argent pourra le sauver. Malheureusement, cet argent appartient au roi. Pardon. Ça, c'est gratuit, ça. Oh, ce lapin! Ces finances qui reviennent, putain. Par contre, faudrait que tu le touches, hein. Non, Jean-Célestin, s'il te plaît. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh là 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 là. Le bling nous est revenu. Les dieux ont exaucé nos prières, Manco Capac, le fils du soleil. La croissance revient. La croissance remonte. Elle est où l'augmentation de 100 euros des paysans? Ils ont une faucille payée par l'État, cassez pas les couilles. Ah sinon c'est une flèche dans l'œil et mon griffon leur mange la main droite. Qu'est-ce qui se passe? Pas de révolte chez moi, ça n'existe pas ça. Oh là là, cet archer qui fait tout le taf. Cet archer qui finance l'État, lui tout seul. Putain, Jean-Robert, archer. Chasseur de métier dans l'Ariège. Oh là là. Oh, cette avalanche de bling. Oh là 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 là, Jean-Robert des Bois, quoi. J'aurais même de quoi me payer le transport en commun, mais honnêtement, je préfère être un peu conservateur. Voilà. Oh, le bling qui commence à reprendre. Les fermiers qui reprennent leurs droits. Clodoman, citoyen-man. Oh là là, mais Jean-Robert des Bois, quoi. Qu'on lui offre une femme, qu'on lui offre une gitane, il nous en reste en réserve. C'est dégueulasse. Paptimus!
On peut enfin payer ce clodo de la place centrale et qu'il arrête de nous faire honte. L'économie reprend, le tourisme. Bon, le camp de gitan, on l'a toujours pas rasé, mais... faut quand même être réaliste. Putain, ça coûte cher les porte-avions quand même. Oh là là, le financement est pas fini, hein. Oh, le porte-avions qu'on paye sur 100 ans quand même. Et là, il y a genre pas de fermier, d'accord. Là non plus. On va tout à droite. On bourre, on prospecte. Par contre, 2 pièces d'or la planche, c'est quand même la giga baise. Une pièce, c'est tout. J'aurais plein de lapins et tout. Bon. Bon. J'avoue, quand même, hein, petit porte-avions soviétique financé avec une pièce et des lapins. Jour Xvi 36. Les archers qui retournent à droite afin de se goinfrer sur les lapins. La ruée vers l'or, la ruée vers les lapins. Oh là là, c'est beau. Pas de pièce, dommage. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Cet épisode est beaucoup trop long, hein. Mais en même temps, j'ai promis. J'ai voulu faire l'ellipse, mais j'ai dit non. Paptimus qui n'a pas d'argent pour nous aujourd'hui. Ce fermier qui va quelque part, sans doute à droite, pour trouver des terres plus arables. C'est beau, mais c'est long. Ah bah putain! Le simple fait qu'on soit sorti de cette galère, si tu veux, pour moi, c'est tellement inhumain. C'est tellement clutch, en fait. Allez, Jean-Robert Desbois, sauce-moi. Oh là 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 là, il me sauce! Il me sauce! Oh oui! Ce financement participatif, putain, c'est noob, saison 29, incroyable. 10 millions de budget pour des smourbifs, super, financé par l'État. Divin. Oh là 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 là, ce financement du niveau de Star Citizen. Bon. On va faire plus de fermiers. J'ai promis, on terminera pas cet épisode tant que j'aurai pas quitté l'île. J'aurais pas dû faire des promesses comme ça à la con, mais il est important qu'un homme tienne ses promesses. Sinon c'est une femme, Bob ? Non, ça c'est très sexiste à dire, Billy. Non. Non, juste non. Ah bon, bah je suis désolé, je savais pas. Non, Billy, non. Écoute, pour te soigner de ton sexisme, prends 2 gitanes. Impeccable. Incroyable. Bon, et ben ça mérite quand même un petit coca. On me dit « Bob, finis le bateau !» Je me dis « Oublie pas de compléter le phare !» Non mais il est fini le phare. Voilà. Certes, ça m'a coûté cher, mais suivez-moi. Suivez-moi. Le raisonnement, c'est que à un moment,
ils vont rapporter de l'argent. Voilà. À un moment, ils vont rapporter de l'argent. T'as, c'est beau, hein. Il faut peut-être encore que j'y mette 20 balles. Il va jusqu'où, lui? Mais il va jusqu'où, lui? Il y a une ferme encore à droite, là? Ah ouais, j'ai bâti ça, ouais. D'accord, bah non, il y a de la place. J'ai rien dit. Bah, fermez, mes amis, fermez. Est-ce que tout à droite, à votre avis, il y a des chasseurs qui ont chassé du lapin? Eux. Oui. Oui. Oui, très bien. Bon, petite bourse agréable. Petite rentabilité potable. Acceptable, disons. Un bling. De la part du lancier, sans doute. Tandis que les lapins se remettent à pulluler. Ah, pardon. Quelqu'un a enfin remarqué la souris sur l'écran tout en bas à droite, je suis désolé. Voilà. Le nombre de mulots qui auront été mangés quand même, c'est assez fou, hein. Oh, regardez ça avec le fond en plus au-dessus de la couronne, cette espèce de comment ça s'appelle, d'effigie, ce bâtiment créé à la gloire de Donald Bling. C'est beau. Bon, tu farmes toi, Coda, ou comment ça se passe? Ok. You know what? D'accord. Très bien. Et du coup, on attend sa pousse ou Ok. On me dit Angkor Wat, c'est une architecture bouddhiste ou ottomane. T'es sûr? C'est pas des trucs qui se trouvent genre au sud de l'Inde ou En Indonésie? Oh well. En tout cas, ce niveau 3 nous aura donné pas mal de difficultés, hein. Putain. Paptimus. Paptimus, très bien. Paptimus trahi. Paptimus trahi, tome 2. Asie du Sud-Est. Donc Asie en bas à droite, d'accord. Thaïlande, Vietnam, Cambodge, ok. Ça fait du sens. Voilà l'argent. Voilà l'argent. Voilà l'argent. Putain, oui. On a toutes nos chances. On a toutes nos chances. Oh, le financement. Oui. Mes bourses sont pleines. Viril. On va repousser les mécréants. On attend juste qu'ils débarquent. Et une fois que c'est fait, voilà. On les attend bien. Oh, ça c'est beau, ça. Bah, allez. Et voilà. Ils n'auront pas tenu 30 secondes. Et lui, apparemment, il a plus de job. Pour une raison qui m'est obscure. Très bien. Tous ces fermiers sont restés dans leur ferme, parce qu'elle a été construite. Là, personne n'habite celle-ci, parce que tant pis. Apparemment, tant pis pour mes couilles, hein, ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà. Ah, Paptimus, les taxes. Pas de taxes, très bien, pas de taxes. Un lancier meurt à chaque vague. T'as remarqué qu'à chaque attaque, tu perds un lancier au moins, mais comment? Il casse sa lance sur les mobs. C'est ça qui se passe? Putain.
Eh bien. Combien de fric ? Oh, mais c'est l'engloutissement des réserves ! Dude, c'est pas fini ! Bon. Au moins, je vais avoir la joie de voir des fermiers travailler dans leur ferme, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ce gouffre à bling infini. Si un bateau ça coûte aussi cher, les phares sont utiles, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'où Jésus quoi? Ça n'est utile que lorsque t'as le financement nécessaire pour quitter l'île en premier lieu. Sinon c'est juste l'angoisse. Pas la gueule de mon phare. Elle est beau quand même. J'avoue, il y a un beau taf hein, qui a été fait. J'avoue, l'investissement valait la peine. Bon. Ne serait-ce que visuellement. Visuellement, c'est beau. Quand même, ce griffon, je le fais bosser, hein. Merde, comment on appelle les griffons qui ont un corps arrière de lion ? Non, attends, ceux qui ont un corps de cheval. Avec les pattes avant, bien sûr, de piaf et la tête de piaf, mais... Il y a griffon et... Hippogriffe, merci, un hippogriffe, voilà, c'est ça. Un hippogriffe. Ça, il y a une différence entre un griffon et un hippogriffe, voilà. Oh ! Oh ! Incroyable. Oh là là. Exceptionnel. Absolument exceptionnel, brave Jean. Eh bien écoutez, dans tous les cas, je vais terminer cet épisode-là. On commencera l'épisode suivant en fuyant cette île, glorieusement, en atteignant l'île 4, braves gens. On aura le financement, on aura les bourses pleines, on aura tout ce qu'il faut. On aura fui et survécu à cette île infernale et à l'hiver. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Oh, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, allez, zou.